Alors, puisqu'on commence, enfin puisqu'on termine l'épisode précédent en musique, d'office, on commence le nouveau en musique aussi. Je peux traduire ça, l'accès aux égouts est condamné à cause de la prolifération de orques. Ne prenez pas de risque de rester dans les zones sécurisées. Ok. Je peux monter là-dessus. Ici, prendre code mystérieux du coffre. Il est écrit sur les chiffres, comme on dirait un langage binaire, une succession de 0 et de 1. Il doit bien avoir en main déchiffrer ce code, c'est souvent celui du coffre. Suis les chiffres. Après, il y a des chiffres partout, les gars. Partout. Bon, ben on va retenir que ça c'est là. Je sais plus qu'est-ce que je pourrais avoir contre une canette. Je crois que c'était ça. Ah non, c'est 3 canettes qu'il faut pour celle-là. Je prends la partition. Alors, j'ai une autre partition. On la donnera au musicien plus tard quand on aura déchiffré le coffre. Le code du coffre. Je me comprends. Non, je vais monter. Non, 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 non. Je t'aime. Tu viens pas ici maintenant. Hop. Elle n'a pas tout fait bugger. Tout va bien. Alors, je les aime du fond du cœur, mais deux chats sur mon bureau pendant que je joue, sachant que pour peu qu'il y ait un faux contact, j'ai ma caméra qui plante et que je ne sais pas relancer. Je précise que, juste à côté de moi, c'est un lit. Ce n'est pas par terre que je la lance aussi. Bon. Donc il disait, faut regarder les trucs en haut. Il y a un ballon. Pas l'air d'en avoir quoi que ce soit à faire, lui. Ça ne sert à rien. Donc là. Là en face, c'est l'appart où j'ai été. Juste là, c'est le premier appart. Et là-bas, il y a le symbole. Donc je vais aller là-bas. Zoanito, je pense que tu le connais, lui. Ah oui. J'avais oublié. Tac. Tac. Il y a une télé ici. Je m'intéresse à la télécommande. Je peux regarder les Aristochats. Alors,
Je parierais sur Balthazar. Prince Balthazar. Traduire. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain? Volume 42. J'ai une partition. Ici. Allure. C'est Doc, j'ai retrouvé les clés de ton coffre, tu devrais mieux les cacher. Eh ben raté apparemment, c'était chez Doc. Cacher ton coffre derrière les livres ne suffit pas. Jess, la bibliothécaire. Donc, il y a un coffre caché derrière les livres. On a les clés. Qu'est-ce que c'est que ça pour une peinture? Cacher un coffre derrière les livres. Alors moi je veux bien, mais des livres, il y en a quand même un paquet. Déjà tenté tout ce qu'il y aura du sol. Ok. Ah, oh, je peux faire mes griffes. Aha. Clé. Et j'imagine qu'il a mis le carnet dedans. Je vais travailler, un carnet de plus. Pendant ce temps-là, les livres lancent. On dirait que celui-ci appartient à un certain Doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissance de lampe, une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les orques en sortant. La première notice explosive, je vais peut-être devoir le tester dans des conditions réelles. Trouvons les autres carnets. Ok, donc lampe UV ferait fuir les orques. C'est bon à savoir. J'ai pas l'impression qu'il y ait de souvenirs ici. Celui-là, ça pourrait. C'est l'image d'un mec qui nettoie. Et là, c'est un truc avec des plantes qui ressemblent à un balcon. Je vais me regarder si je vois pas le cadre en question ici quelque part. Je pense pas. Et ici, il n'y a pas tellement de boîtes en fait, il y a plus de bouquins partout. Bon. Ouais, j'allais dire, ça ne m'étonnerait pas que ce soit pile à l'opposé. Et pour le moment, j'avais. Bon, au pif, on va dire nord-sud-ouest. Considérant que ça c'est l'est, même si j'ai pas de boussole, donc je sais pas du tout. Hop. Donc faut que j'arrive là-bas. Faut que je repars par là. Hop, on remonte.
coup, je ne fais que passer. Je vais là, je monte là, je monte là. Traduire. Alimentation électrique de la ventilation. Je vais enlever ça. Je vais poser ça à côté. Comme ça, je sais où il est si j'en ai besoin. Ça ressemble un peu au souvenir, ça. Nous avons donc trouvé la maison de Sbalthazar. Et nous pouvons boire un petit coup. Hop. Ça, c'est ça qui me permettra de sortir, mais... Il doit y avoir un carnet ici, quelque part. Enfin, le dernier carnet. Nous sommes à 12 minutes de vidéo. Franchement, on progresse bien. On dirait que celui-ci appartient à un certain Sbalthazar. Toute trace de vie organique a disparu à l'exception de ce que l'on appelle les orcs. On dirait qu'il manque tout ce qui bouge et qu'ils se reproduisent à une vitesse inimaginable, comme si se retrouver enfermé dans cette cité n'était pas assez difficile comme ça. Oh, il y a aussi une note sur le mur. C'est écrit, j'ai trouvé un défaut de conception dans la radio, mais je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Oh, génial! Si elle nous permet de communiquer avec les niveaux extérieurs, ça pourrait être notre moyen de remonter. Montrons-lui ce que nous avons trouvé. Ah, c'est cool! Il va être moins triste. Ça, c'est un des souvenirs que j'ai déjà trouvé. Franchement. Je trouve que ça ressemble vachement à un endroit où je pourrais trouver le dernier. Enfin, le souvenir qui me reste. Genre, c'est très vert. Arrête de descendre, je veux que tu remontes. Allez. On monte, on monte, on monte, on monte. Moi, ce que je voulais, c'était aller là-bas. Hop, hop, hop. Il sait pas m'aider pour ça, lui. Seul un vrai geek peut lire ça. Tu ne m'aides pas. Ça fait quoi si je lui montre les cartes? Oh,
C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors de Toddy. Oh, j'ai oublié de lire à voix haute. Il est content parce qu'on a trouvé les carnets de tous ses potes et qu'il y a moyen de réparer la radio. Clémentine, Valtazar, Doc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause. Je vous promets, je trouverai un moyen de remonter à la surface. Merci, on pourrait trouver un moyen de te faire monter. Maintenant, réparons cette radio pourrie. Si t'as besoin de câbles, j'en ai. Et voilà, ça marche. Et avec moi. Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres. Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient être encore là-bas. S'il y a moyen de sortir, ils sauront où c'est. Je suis être ce petit et rapide pour échapper aux orques. On a besoin de toi, petit extérioriste. Fais-nous monter jusqu'au ciel. Bah oui. Sous-entendu, va risquer ta vie à ma place. Tant pis. Ben après, je crois me souvenir qu'il y a un truc qui dit qu'il n'y a que le gardien qui a la clé. Comment je me casse? Ah, pas là. Les toits. Ah merde. Bon, je crois que ça confirme ce que je supposais. Les ralloupiottes, c'est les orques. Pourquoi tu veux que je les attire? Et ça tire très bien tout seul. Hop, voilà. De néon, ça n'a pas toujours été le cas. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taudis. Les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un avait mis des lampes, arc-en-ciel, des panneaux du néon. Des panneaux au néon dans toute sa maison. Cette personne était arrêtée en âge. Mais les gens sentaient notre espoir et peu après sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur, comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile.
c'est juste potionnaire que j'ai ici ou. Ça a l'air. Je vois pas d'autre chemin ici. Hop. La peau, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est répugnant. Je marche sur des trucs épouvantablement dégueulasses. Ah bah je crois que j'ai trouvé le bâtiment, je vais aller. On avance vite, ma cacahuète. Bah oui. Ok, ouais, j'aime bien quand tu me fais des câlins, mais là t'es sur ma souris. Je le sens pas. Ce bâtiment craint. À tout moment, il y a un tas de bestioles qui vont me sauter sur la tronche. Ils sont tous là-bas. Oh non, il y en a partout. Je pense que mon objectif c'est d'aller là. Normalement, quand je suis sur des meubles, ils savent pas m'atteindre. Ou alors si. Me suivre, à mon avis, on a aussi à s'attacher. Ok. Avec ça, je peux sans doute les enfermer. Ok.
D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? Ça, par exemple. Nécocorp. C'est eux qui traitaient les déchets. Les déchets venus des étages supérieurs ont débordé dans les taudis. Ils ont tenté de développer une bactérie pour tout dissoudre. Après la disparition des humains, la bactérie a muté, elle a évolué et mangé bien davantage que les déchets. Maintenant, on a les orques. Allons-y. Ok. Donc, je vais faire ça. Moi, pendant ce temps-là, je me casse. Non, merde! C'est les enfermer quelque part, mais je sais même pas où. Je crois que mon objectif c'est ça. Mais se sont coincés, c'est con. Je peux pas leur embêter. Quoi? Pourquoi exploser? Je vois le genre. Je les attire par ici. Et je me casse par là. Hop. Là, je n'en vois pas. Ça craint. Hop. C'est ici, place la radio sur cette antenne. Sonia, si? Non.
Voilà. Salut Bako, tu vas bien? Désolée pour toi, mais tu débarques pile au moment où je m'apprête à arrêter. Regarde cette vue, c'est très beau ici. Ça me revient, la ville, elle devait servir d'abri. Ça va, je suis dans ma journée découverte de Stray et j'avance pas mal. Derrière les étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Ouais, il est vraiment génial ce jeu. J'avais envie de le tester depuis un moment, mais je voulais terminer les jeux sur lesquels j'étais avant. Et ouais, franchement, autant graphiquement que niveau gameplay et le reste. Il est incroyable. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Je n'ai pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister. Je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir Momo maintenant qu'on a branché la radio. On devrait pouvoir trouver de l'aide. Alors, eh bien le petit voyage en saut, ce sera pour le prochain épisode. Qui sera peut-être déjà ce soir, je sais pas. Si pas ce soir, sûrement demain. Dans tous les cas, je pense que je vais bouffer ce jeu à une vitesse. Parce qu'il est vraiment cool. Bah, merci Bako pour ton passage. Et passe une bonne journée aussi. Et bah coucou à ceux qui regardent les reliefs. Je ne sais toujours pas qui vous êtes, mais je vois que vous passez, donc c'est cool. Et n'oubliez pas que toutes les reliefs sont disponibles sur ma chaîne YouTube, qui porte le même nom que ma chaîne Twitch. Et c'est bien rangé, bien classé par dossier. Alors, c'est pratique pour retrouver toutes les histoires de A à Z. Moi, je quitte le jeu avant de quitter le live. Comme ça m'évite de faire 10 000 changements d'écran. Et je me rends compte que j'ai la loupiote bleue de ma manette qui m'éclaire depuis tantôt. C'est pas grave, j'ai la langue bleue. Tout va bien. Bye bye!